Sonic Adventure de Battle. C'est parti pour Sonic Adventure de Battle, qui a été déjà fait sur Dreamcast avant. Mais maintenant il a été fait sur GameCube plus tard. Alors rappelons que c'est Fireflav et Oliver Plassman. Comme d'habitude, hein. Oui. Et en 2000, il est fait en 2002 ce jeu. On change pas une équipe qui perd, vous savez. De Battle. Alors apparemment je veux jouer Oliver. Et oui bien sûr, puisque j'ai une de Battle. Mais vous risquez de perdre. Alors, je vais faire... Et on va faire des courses. Attends. Il faut d'abord parler, ça c'est tous les trucs en même temps. Enfin c'est au pif en fait. Ah d'accord. Ça c'est les combats rapides, c'est les courses. Alors, ça c'est des courses au trésor, on doit chercher toutes les émeraudes du chaos avant l'autre. Ok. Ça c'est des combats de tir, bon simplement on tire dessus. Ok. Et puis il y a les deux trucs après, on doit... Ça c'est du karaté chaos, c'est avec les petits chaos qu'on s'en occupe là. Alors je veux poser une question Oliver, en quelle année ce jeu a été sorti? J'ai déjà dit, 2002. 2002, d'accord. Mais sur Dreamcast, il a été fait sur... En ah oui, sorti sur Dreamcast, je crois. C'est la même version? Non, sur GameCube il a été évolué graphiquement. Ok. Rappelons que la Dreamcast a quand même un assez bon niveau, un meilleur niveau en tout cas que la PlayStation 2. Bien meilleur. Alors qu'est-ce que je vais prendre moi? Quoi, tu trouves qu'elle est bien meilleure que la PlayStation 2, la Dreamcast? Non, la PlayStation 1, pardon. Ah oui, voilà. Toi tu prends Shadow, moi ça. Toi tu prends... Je me... Et c'est parti. La bande-son est vraiment superbe dans ce jeu. Alors c'est quoi vraiment a, le... Sauf le point négatif, ce niveau, Green Grace, qui est vraiment un niveau vraiment chiant. On glisse simplement sur des bouts de ferraille pendant tout le niveau. Okay. C'est vraiment chiant. Et quel est vraiment voilà. Ce type de jeu? C'est de la course, de l'action? La plupart du temps c'est de la course, mais il okay. y a de l'action aussi, parce que on peut détruire des robots, des trucs comme ça. Ouais, c'est action-course quoi. Comme tous les Sonic. Et ce Sonic là est le premier Sonic de 3D qui a été vraiment magnifique. C'est le premier sur GameCube en même temps. Mais non, sur Dreamcast. Ah oui, il a été sur Dreamcast celle-là. Mais sur GameCube et Dreamcast, il n'y a pas énormément de différence graphiquement. La Dreamcast vraiment a craché toutes ses tripes pour faire ce magnifique jeu. Eh ouais. Mais la GameCube par contre pourra faire mieux. La GameCube n'a pas vraiment souffert, on va dire. Oui. Elle est pas encore... Parce que quand elle a fait Resident Evil 4, oui. Après... C'est autre chose, River. Ou aussi Baton Kaitos. Oula. Alors bien sûr, le jeu n'est pas en français, c'est en... Japonais, là. Japonais. Moi, j'avais la version anglaise, hein. J'ai mis en anglais, les personnages parlent en anglais. Alors on joue en deux joueurs, mais tout à l'heure, Oliver va nous faire voir en un joueur, n'est-ce pas? Pour voir un peu mieux les graphismes, parce qu'en deux joueurs des fois les graphismes sont pas mis vraiment... Non, là ils sont moins bien faits comme un joueur. Alors, tu vas jouer en un joueur tout à l'heure, Oliver. Normalement les voix des personnages... Alors moi qui connais pas du tout les touches, je me perds un peu. Ça c'est les voix des personnages en vrai, car avant j'avais mis les voix en anglais, mais j'aurais voulu voir ce que ça donnait en japonais, et là j'ai laissé. Et je trouve ça vraiment pas mal quand même. Mais je trouve quand même que ce jeu est plus fait pour l'anglais. Et la vitesse est vraiment très bien dedans, on va vraiment vite. On peut aussi lancer des attaques sur l'autre joueur. Alors moi je suis bloqué, je sais pas pourquoi. C'est parce que je t'ai lancé une attaque. Ah ok. Alors les environnements sont quand même bien faits. Hein. Vous ne trouvez pas Oliver? Si. Alors je fais ce que je peux, hein. Je suis pas trop le mec qui... Le genre de mec qui joue à Sonic. Avant, si vous connaissez pas trop Sonic, bon, je suis sûr que la plupart connaissent, c'est hyper connu, comme Mario. Avant, oui. Sega était... oui, parce que Sega c'est Sonic. C'est la société de Sonic. C'est Sonic le héros de la Sega. Et avant, la Sega avait créé la Dreamcast. Qui a été créé presque en même temps que la NES. Graphiquement, la Dreamcast était mieux faite que la NES. Graphiquement, franchement, c'était mieux fait. Mais la NES se sont repris avec une Super Nintendo. Alors voilà, on va finir le niveau. Alors je vais finir trop nul quand même. Enfin, j'espère. Bon, c'est déjà la fin du niveau, mais quand on joue à un joueur, on n'est qu'à la moitié environ. Car les niveaux sont un peu plus petits quand on joue à deux.
Bon, je crois que c'est la fin. Eh voilà, je vais terminer. Si, bah, si tu m'attends. Eh voilà, terminé. T'as arrosé aussi une plante ? Celle-là, bah oui, je l'ai arrosée. Je peux ramener tes pantalons. Oh, mais ouais. C'est cool. Oh, vous allez jouer un joueur. Le mode, un joueur. Et c'est Oliver Plasma qui s'en colle. C'est le même niveau et vous allez voir qu'il est plus long qu'à deux joueurs. C'est là qu'on va pouvoir voir un peu les graphismes. En taille grand format. On voit que les épis de Sonic ne bougeaient pas dans les premiers graphismes à deux joueurs. Là c'est mieux fait. On sent très bien la sensation de vitesse. C'est vraiment excellent. Il y a des records, Olivier. Le record, bien oui. Tu l'as sans doute vu avant, là, mon record. J'espère que vous ferez un record, là. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Mais on est quand même assez bien parti. Ça a l'air, en tout cas. Alors la bande son est quand même pas mal. Ça a pas l'air d'être très répétitif, non? Non, c'est vraiment pas répétitif. Tous les niveaux ne se ressemblent pas du tout. Et voilà, et vous pouvez voir que le niveau est beaucoup plus long que celui qu'on a fait à deux joueurs. Non, pas pour l'instant. Ah, on a déjà fait ça. Heureusement que je ne dis pas toujours des conneries. Eh oui, Fireflap dit des conneries parfois. Parfois, que parfois. En même temps, il ne connaît presque pas ce jeu. Par contre, je trouve que les images sont pas des mieux faits. Les magnifiques acrobaties de Sonic, c'est vraiment très impressionnant. Et oui, Sega n'est pas comme ce... comme Mario, et bien sûr c'est pas Mario Bioche, c'est Sonic normal quoi. Ils ne sont pas à fond dans la nature, ils sont plutôt à fond dans la technologie avec leurs robots et leurs camions géants. Waouh, les effets sont quand même assez bien rendus. Cette action témoigne que c'est quand même un bon jeu d'action, hein, avec du mouvement. Et oui, c'est un speedrun. Un bon speedrun. Hein. Si vous voulez des les meilleurs speedruns du monde, eh ben, il faut prendre les Sonic. Et voilà. Et on se donne rendez-vous à la deuxième partie.